Ça, c'est une technique que je recommande à tous, bien entendu. Vous pouvez taper sur Google ou sur YouTube, hein, c'est le même moteur de recherche, Tess Loello TV. Voilà. Et là, vous tombez directement sur ma vidéo, pas du tout. Vous n'allez pas sur la première vidéo, allez bien entendu sur la deuxième vidéo. Non, c'est pas la deuxième non plus, putain, merde. Loello Tess, fuck, ça marche pas sur Google, ça marche sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Ah, voilà, sur YouTube. Et tu Donc sais, cette bonjour. vignette-là qui a l'air extrêmement putaclic, c'est pas une vignette, c'est juste un screenshot Ah que ouais? j'ai pris sur l'écran, ouais. C'était vraiment ma tête à ce moment-là. C'est On met un pouce bleu, bien entendu, au passage. Très important. Et on va là. Enfin, on met un pouce bleu. Si vous êtes connecté. Ah merde, j'ai pas mis le lien. Si, si. C'est Ouais. juste que. Ah oui, ok. Putain, je vais le dire. Si vous êtes connecté sur YouTube, parce que là, cet ordi ne l'est pas. Oui, faut pas le dire. Et là, cette version-là, maintenant, après, moi, je l'ai modifiée avec la méta, parce que celle-là, c'était quand même il y a un mois, il y a 2 mois, 3 mois. Et là, moi, je joue plus ça maintenant. C'était quoi, Chris, que t'as enlevé? Ouais, j'ai enlevé les deux Ok. Chris. Chris d'Astet Tabernacle. Et je cut une Vilpine. Et je rajoute deux Dispa, un renard rusé. Hop. Faites clic droit sur la carte pour aller directement dessus, hein, pour ceux qui savent pas. Et on pourrait mettre une petite touche d'exotisme avec. Elle y est déjà, hein. Espionnage académique, c'est déjà exotique. Ah bon, allez, vas-y alors. Je vois qu'on est Est-ce un que peu. t'allais mettre quoi en plus? On est un petit peu inquiet pour son rang. J'allais mettre Milou's Tempête de Mana. Ok. Ça me paraît quand même important, mais c'est pas grave, vas-y. T'allais vraiment mettre Milou? Bah évidemment, j'allais mettre Milou's Tempête de Mana. Ça gagne, hein. C'est une 4-4 tour 2, mec. Et ça bourre de ouf. Et en plus, ça te protège. Tu peux faire des trades value. Offrez un fléau ultime à l'adversaire pour 2 mana. Mais y a personne qui joue Fléau Ultime, on n'est pas en 2017, Ken. Ouais, c'est vrai. Bah, on joue contre Romain. Ça devrait aller. Sacré Romain. Toujours le mot pour rire. Tu penses que à 2037, c'est sa date de naissance? Si c'est un match contrôle, c'est free win. Ok? Ok. On parle là-dessus. En vrai, c'est un peu relou parce qu'il a les 3-6 et les 3-6, c'est genre, elle te gèle. Tu peux pas, tu peux moins te win. Sinon, tu peux mettre Chroniqueur Chaud, c'est exotique, ça fait des games super fun. Ah, en foutant des espionnages académiques à l'adversaire. Ouais, faut avoir des balls quand même. Pas l'air d'être très contrôle ça. Bah, tu sais qu'ils ont tout le temps ça en main de départ, genre que ce soit contrôle ou aggro, donc c'est quand même vachement difficile de deviner. Oh, dis donc, c'est bien ça. Boule de feu, c'est bien aussi. Ouais, Météor, c'est quand même vraiment pas mal, hein. Si c'est un contrôle, c'est bien Météor. Genre, c'est tout le temps bien en fait, Météor. Ok. Alors que boule de feu, Boule de c'est. feu, ça me paraît juste plus early. Ouais, mais bon. Tu le fais sur quoi la boule de feu? Tu le fais sur la 4-3? Ouais, sur une 3-4, sur un Ouais. truc quoi, un truc qui t'emmerde. J'ai déjà ça, j'ai déjà ça. Je sais pas, c'est dur à dire. Je pense que je pièce pour le coup. Ou dis Romain, il donc. m'a dit je joue pas contrôle. C'est vrai, il a dit ça à Romain. Coucou Danatel. Le son est pas fro. Ah, il est pas Catherine. Tu l'as pas celle-là. Il y a Non. une actrice qui s'appelle Catherine Fro. Ok. Enfin, Catherine Frotte. Le son est pas fort. Du jeu? Bah, on peut le monter. Moi, Je pense qu'il parlait des micros, hein. j'ai aucun retour dans mes oreilles, donc. Normalement, sur ce tour, en ayant piécé ça, ça va l'empêcher de développer la 3-4 et il va juste ping trade. S'il développe la 3-4, bah franchement, c'est pas cool de sa part. Faut que ce soit au safe. Ça va. Et donc, du coup, on a voilà, deuxième renard rusé et puis après, on verra soit sabre, soit espionnage. Votre volume à vous? Alors ça, faut monter votre propre son sur vos enceintes. Ouais, il est à fond, malheureusement. Ouais. Pour monter un tout petit peu. Là, il est à fond. Après, je sais pas parce que là, ils ont une table de mixage et tout. Une console son. C'est la même chose quand tu veux juste te la péter. Non, c'est pas la même Si, chose. c'est la même chose, arrête. Arrête de mentir aux Français, Ken. Pas exactement. Est-ce qu'on fait ça? Comme ça, au prochain D'ores tour, et on a l'option déjà. de faire Capitaine Vertepeau. Ouais, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que. Tu tues la 3-5 du coup. Ouais, vas-y, go. Quelle riche idée. L'idée de riche. Pour voir le nombre de subs, il faut être sub, Madame Loutre. Certaines commandes ne marchent que si on est sub. Bah, elle a été utilisée juste au-dessus, la commande Quand c'est tort, point je suis obligé de d'exclamation le sub. baisser. Ouais, mais c'est parce que tort qui gueule dans le micro. Mais là, à deux, c'est plus compliqué de gueuler. Sinon, ça fait bizarre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a un truc stylé à faire là? On peut faire.
On peut faire. Prep On peut faire Meteor? juste ça aussi. Hein. Oui. En vrai, c'est peut-être un peu meilleur. Kun joue cette game avec fair play, strat, sang-froid, Osef, vas-y, casse-le en deux, pète-lui la bouche, du sang, de la violence. Bah je laisse l'OLO pioter Merci sur pour le. Tu peux jouer hein, d'ailleurs. Et merci Noldo75 pour Merci ton beaucoup sub Naldo. avec Twitch Prime. Merci à tous ceux qui sub les potos, n'hésitez pas à vous Yeah man. abonner et à soutenir la chaîne. Thank you so much C'est bro. grâce à vous qu'on est là les bros. Prep, espionnage académique et Vilpine là, qu'est-ce que t'en penses? En fait ça me fait chier de faire espionnage avant d'avoir topé mon sprint mais. Mais bon, t'as un peu de pioche en main et t'as une main quand même un peu remplie, donc moi ça me choque pas plus que ça. Allez. Est-ce qu'on garde pas la Vilpine finalement? T'as Non, météore. c'est ça. Pourrait-on avoir la decklist? Oui. Yes. Oh, tu peux faire ça? What? C'est trop bien. En vrai, depuis le jour où j'ai trouvé cette What? technique, C'est trop c'est trop bien! ouf. Ah, Vous ça allez t'es dans votre allé où? tracker, Export? Ok. exporter vers Hearthstone et copie que le code. Là, ça copie tout ça là, et là, ça copie juste le code. T'as même pas besoin de t'emmerder. Putain, C'est ouf. trop bien. Bah, franchement, j'ai appris un truc. Arma est en déficit du coup avec même pas un K-sub. C'est difficile de parler sans connaître le modèle économique. Non, Arma, c'est pas sur la télé qui gagne, qui font les EBE, comme on dit. Les excédents bruts d'exploitation. C'est surtout tous les tournois qui sont organisés, notamment. Pas que. Prendre Genala là. Si vous avez des balls, jouez Rogue Lapin. Alors le problème du Rogue Lapin, c'est que c'est fort contre contrôle, mais alors contre aggro. Piou, 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 Pourquoi il a Zola ça en fait? La partie TV est un déficit. Toutes les TV sont déficitaires. Toutes. Même le stream. C'est normal. Bah les TV sont toujours déficitaires pour une raison très simple, c'est que c'est dur de faire du bonus quand tu payes les gens à. Quand tu payes les gens en fait, juste. En fait. Est-ce que. Je sais pas si j'ai envie de faire ça en vrai. Peut-être c'est Peut-être c'est Meteor. juste Météor en vrai. Juste Meteor. Sinon, attends. Ouais, vas-y, juste Meteor. Hein. Ouais, mais après, s'il fait Vilpine, c'est la merde, non? S'il fait Vilpine. On peut faire Comment ça. ça Vilpine? Generali. On peut faire ça. Brûlure et lui. Ok, je préfère. T'as raison. Comme ça, on gagne en durabilité. On va chercher des trucs stylés. Par exemple. Non, taper là. Je sais pas pourquoi elle a. Par contre, je sais pas pourquoi elle a remonté ça, mais. Avec Zola? Oui, c'est pas hyper optique. Depuis Hearthstone Deck Tracker? Ouais, Non, on peut le non. faire directement depuis Hearthstone Deck Tracker. Déficitaire, il parle de Web TV, il parle pas de stream. Non, le business model d'une Web TV est compliqué parce que tous les revenus qui sont générés sont directement renvoyés soit aux streamers, soit aux gens qui travaillent à côté. Et oui, t'as pas écouté Et du coup, ça Lio génère pas Doudou. d'argent. Je te parlais ouais vraiment de Web TV. C'est pas du tout le même modèle économique qu'un streamer indépendant. Ça a rien à voir. C'est genre rien quoi. Ça sur le long terme, ça peut être cool. Contempler les outils de la création. Ouais. Un mélange qui ne manque pas de Voilà, faut piocher, hein, de toute façon. Est-ce que ça avait pas Contempler le coup de les faire outils espionnage de la académique? création. Pourquoi? Et comme ça, t'avais plus de chances de top deck des trucs qui coûtaient 1. Éventuellement, ouais. J'aimerais faire ça et taper face là. Ouais. C'est chiant parce qu'il peut générer un truc, mais de toute façon, il pourra toujours générer un truc. C'est vraiment le gros problème, c'est le DK sur 9, quoi. C'est toujours le même problème avec ce deck, de toute façon. Mais dans tous les cas, il aurait pu faire un truc. Qu'est-ce qu'il devient le mec qui a fondé Géo? Guillaume, non. Bah, il est Bah. toujours CEO de Géo. Ils viennent de faire une levée de fonds de 3 millions d'euros. Donc, ça se passe C'est plutôt ça, bien pour ça se passe Gamers EG. bien. Géo a explosé si tu veux. Ouais. Géo a vraiment explosé, c'est devenu très très gros. C'est devenu probablement la plus grosse boîte, le plus gros club e-sport français. Avec Vitality, je Avec pense qu'ils se Vitality, bagarrent un peu ouais. bien. T'as vu les nouveaux. T'as vu toi les nouveaux locaux de Géo? Oui, bien sûr, j'y suis allé plein de fois. Incroyable les Ils nouveaux sont locaux ouf. de Géo, ils sont ouf. Moi j'y suis retourné plusieurs fois là. C'est un truc de 3 étages qui est assez incroyable pour le coup. Solaris sont donc déficitaires. Bah, en fait, Liu Doudou, pour le coup, c'est.
un petit peu difficile à dire. C'est un peu difficile à dire parce que c'est le début. Parce que ça fait à peine un mois en fait. C'est ça, et au début t'as toujours le truc. On peut pas vraiment parler sur un mois. Donc là, moi, si je vanish, je sais pas si j'ai... Ouais, vas-y, je vanish, non? Après, peut-être que si je vanish, je trade lui plutôt. On ne sait jamais. Attends, pardon, désolé. Vas-y. Juste un message par rapport à mon OP de dimanche. En vrai, ça va être tellement cool, ça. C'est quoi ton OP le dimanche? Je vais à Nantes pour le match FC Nantes-Lille. D'accord. Et je commente du FIFA entre les joueurs pro des deux clubs. Et à la mi-temps, j'ai un truc à faire sur le terrain, mais je sais pas quoi. Sur le terrain? Pendant la mi-temps. Sur le terrain du stade de la Beaujoire. Mais c'est trop ouf, ça. C'est trop ouf. What? Sur le ouais. Oh, putain. Mais en gros, ils ont un prêt de 3 millions. Non, c'est une levée de fonds. C'est des investisseurs. C'est ouais, pas non, des prêts. C'est pas un prêt. Ils doivent absolument pas rembourser. Non, non, c'est une levée de fonds. Ouais. C'est en gros, les gens, ils arrivent, ils investissent dans la boîte et la boîte leur appartient un petit peu. Par exemple, si ta boîte, elle vaut, on va dire un chiffre un peu rond pour comprendre vite, 10 millions, tu vois. Et bah, il y a un mec, elle est valorisée à 10 millions, bah, il y a un mec, il peut investir genre 1 million et il peut avoir 10% par exemple, tu vois. Enfin, bon, c'est pas exactement ça, évidemment. Après, faut investir par rapport à ce que ça va valoir après, etc. C'est plus compliqué que ça, hein, mais. Valira. Mais t'as l'idée. Je pense que c'est Valira. En vrai, alors, je te propose quelque chose. Valira. Tour d'après, on fait double espionnage académique. Et tour d'après, on va avec Luna. Et là, on top deck que des T1. Enfin, que des trucs qui coûtent un. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il va générer. De la pression. Ouais. Ah, on a le météore pour gérer un peu. Si tu veux t'en occuper maintenant. C'est ça. Je me dis, est-ce que je fais pas météore maintenant, genre. Pourquoi pas en vrai. Et on peut décaler d'un tour Valira comme ça. C'est pas gênant. Mais si je Valira, je peux value mes trucs plus vite, quoi. Mm. Ah, je pense que c'est Valira quand même. Mais je pense que je tue ça du coup. Tu peux décider de faire une toxicologue et garder la deuxième. Et du coup trade la 5-5 directement avec la tête. Ouais, mais sur le même problème, il génère une 3-6. Moi je pense que si je trade juste ça, que je fais Valira, il génère pas de 3-6, c'est pas mal. C'est pas fou, je m'en fous. Ça fait un peu mal de taper 8 dans une créature comme ouais. Ça, mais en fait le fait que j'ai pas de créature, ça l'empêche de générer. Parce que là, si je jouais une toxicologue, il tradait, il pingait ça. Si je laissais la 4-5, il tradait, il pingait ça. Enfin bref, il y avait toujours un moyen pour lui de générer. Là, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais. On va voir. Du coup, Solari a du succès grâce au phénomène de nouveauté. Bah pas que. Il y a ça, ça compte forcément un petit peu, mais pas que. Ils font aussi du bon contenu. Il faut le reconnaître. Après voilà, c'est toujours pareil. Oh putain, la vache. Pareil hein, faut attendre de voir ce que ça va donner, mais on leur souhaite en tout cas que ça réussisse. C'est des gens qu'on apprécie en vrai. Et je dis pas ça pour faire style. Ils m'ont tous envoyé un petit message là. Enfin non, pas tous, mais ça. Pas mal m'ont envoyé un petit message pour quand j'ai mis mon petit message sur Twitter. Merde, je sais pas quoi faire. Météor me paraît sexy, ouais. Mmh, je pense hein. En plus, c'est bien parce que avoir une créature à 4 points de vie, c'est relou pour. Tu vois, je suis même pas sûr que je ferais toxicologue. Parce que sinon, il fait juste météore sur toxicologue et il a un ping sur la 2-4. Il a pas météore, il est impair. Pardon. Pff, mais pas de soucis. Et là, paf ! Dans sa grosse tête. Allez-vous tenter de battre le record free-to-play légende établi par Solari ? Probablement pas. Probablement pas, c'est un truc qui a déjà été fait et refait en vrai. Après, c'est la première fois parce qu'ils ont rajouté le rang 50, mais personne n'avait fait avant ça rang 50. Mais moi, j'aimerais bien faire un record juste en normal, en fait. Juste du rang 4 au rang légende. Ouais. Là, par exemple, la prochaine saison, essayer de faire un truc en 4 heures, tu vois, 5 heures, ou faire un truc, tu sais, genre, t'es passé top 1 légende direct. Et c'est plus dur parce que t'es en mode, tu sais, t'affrontes que des gens qui sont top légende. Oh le bâtard, non, sérieux. Le truc c'est que en free to play, quand tu le fais le 28 ou le 29 du mois, bon, t'affrontes des gens qui sont un peu moins forts, tu vois, c'est normal. Alors que le tenter le top légende en début comme de mois. Comme Xyxo faisait les rush légendes en début de mois, il y a une époque où il faisait beaucoup ça, Xyxo, où il voulait toujours être le premier légende. Ouais. Au début de Hearthstone, quand il y avait les débuts du rang légende, il s'était fixé d'être le premier légende le plus souvent possible. Ouais. Et il avait fait des jolis trucs comme ça. Je pense que je vais juste tuer lui, non? Je sais même pas en vrai. Il passe. Quoi? Et puis il passe après. Je joue ça, non? De toute façon, il pioche pas, donc.
Ah, oh, mais du coup, ça sert à rien de jouer. Bah, c'est une 3-3. Est-ce que j'ai pas envie qu'il pioche? Ton adversaire? Ouais. Je Si, me dis, je plutôt. laisse ça. Il va me geler, mais bon, de toute façon, le gros problème de c'est la Jaina sur 9, quoi qu'il arrive. Hein. Mais là, au prochain tour, je me dis, je vais envoyer des splash académiques, je suis encore Oui, c'est assez haut ça, en t'en fais HP. double, Et surtout. après, je ferai ça, et après, j'aurai toujours Luna pour piocher éventuellement, excuse-moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas qu'une seule TVHS en France, sinon on va se retrouver avec un monopole et force des programmes de qualité inférieure à maintenant. Oui, bah, de toute façon, le but, c'est qu'un maximum de gens s'intéressent à Hearthstone, hein. C'est ça. C'est le plus cool. Après, de toute façon, tant que la concurrence, c'est toujours un bon truc, tant que c'est une concurrence saine, quoi. Le problème, c'est quand ça devient une concurrence malsaine, avec une certaine haine qui s'installe petit à petit, et tu sais, genre, c'est plus vraiment juste de la concurrence, c'est plus vraiment de la. C'est plus vraiment genre de la. Tu cherches le malheur de l'autre, tu vois. T'es pas là en mode je vais améliorer mon contenu. Et ça, je pense que ça, c'est pas forcément un bon truc. Ah bah non, c'est plutôt nocif ça. Après, c'est mon analyse. Hein. Double Attends. espionnage? Je sais pas, je pense que double poison, c'est plus fort, non? Tu vas jamais taper avec ton arme. Pourquoi? Parce que tu seras gelé à tous les tours. Ça relance météor, hein. En fait, je me dis, si tu fais espionnage x2, enfin, j'insiste un peu là-dessus, mais au prochain tour, après, avec Luna, tu peux tellement miracler, entre guillemets. Ou alors, tu testes maintenant. Mais c'est peut-être un poil tôt. Mais du coup, ouais, je fais juste pas espionnage, je fais double poison test, non? Test, il relance météor. Je dois vite me décider. Qu'est-ce qu'on Vas-y, faut pense? prendre une décision. Moi, j'aime bien, moi. Let's go. Je suis triste que Zola Rotate, c'était une carte formidable. Bah, c'était un jeu de mots formidable, surtout. Gorgon Courage. Non! Mais non! Il est con! Un peu la tristesse, ça. Oh, par Ah, contre, c'est le vraiment nul, Counter-Strike, ça. ça peut être cool. J'ai battu le record de descendre de rang 6 4 étoiles à rang 10 aucune étoile et personne n'en parle. Bah, figure-toi qu'avant, enfin, tu dis, ouais, que ça fait un moment que tu joues à Hearthstone, je le sais. Mais souvenez-vous, à une époque, il n'y avait pas les paliers. Hein. Ouais. Il n'y avait pas les paliers et je me souviens de gens qui arrivaient sur le chat en me disant, ouais, j'en peux plus, j'étais rang 1 5 étoiles, là maintenant je suis rang 9, j'ai tilté de ouf. Et là, tu te dis, ah ouais, quand Ah même. ouais. Non, il y avait des moments terribles où avant tu pouvais faire un gros rush, monter en 3 et Ouais. ensuite tu pouvais littéralement redescendre en 15, tu vois. Et c'est déjà arrivé à plein de gens et tu devenais fou, tu perdais tes cheveux avec ça. Oh, c'est bien s'il me gèle pas, franchement, me sortait le Willow. Il pioche! Allez, Ouais, le vas-y, ça Commodore, pioche! on a pas mal de choses qui sont prévues. On est en train de prévoir pour la suite. Là, si j'ai prep, je peux faire double flame strike. Et ça, mon pote, c'est sexy et pas qu'un peu. Jaina ne me manquera pas l'apparition des dégâts qui à elle seule augmente drastiquement tes chances de win, voire te l'offre, c'est un peu naze comme gameplay. Bah, moi, Jaina, c'était un des dégâts que je préférais, mais je suis d'accord que ça va pas spécialement manquer. C'est une bonne chose, j'en ai bien profité, ça va, je l'ai beaucoup joué le match contrôle. Maintenant, c'est bon, on passe à autre chose. Ah, cette game a pris une tournure extrêmement intéressante. Ah! Bon! Ah! Double espionnage, Jaina? Je pense que c'est probablement ça. J'hésitais à caler un flame strike moi en fait et trade là. Comme ça je suis pas gelé au prochain tour. Qu'est-ce que t'en penses? On parle de personnes de talent ici. Hein. Ah, Regarde-moi ça, je Torque. suis mauvais. Ah, j'avais réservé le resto pizza. Ça te va là aujourd'hui? Ouais, de ouf, ouais. Pizza, du coup, c'est bon? Mais Allez! tu vas où? On va aller à Luisa Maria, c'est la meilleure pizza de Paris. Mais t'as pas dit ça la dernière fois pour la pizza où on avait été? Non, mais je me dis ça. Je Même viens si vous d'avoir avez été avec je viens d'avoir Gorgon. la confirmation, ce sera tribune présidentielle pour le match. Putain. Je dois vite me décider. Parce qu'on peut aller au gourou sinon. Quoi? On peut aller au gourou sinon. Ah non, 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 t'inquiète. Je fais-moi confiance. Je Le vais vraiment temps profiter de ce file resto à à la toute base de vitesse. notre truc entre potes et de faire profiter à toutes les meufs de Paris. On va aller go? Bravo. Très bien. Ouais, carrément, vas-y.
La meilleure pizzeria de Paris. Mais après, il dit ça pour chaque pizza. Oui, mais pff, tu les connais, les Parisiens, t'en fais partie. Moi, le nombre de Bah fois attends, où on pour m'a la fait défense, je suis manger pas parisien. le meilleur burger de Paris, la meilleure pizza de T'as Paris, le mangé le meilleur. meilleur burger de Paris? Ah, mais pff, le Le meilleur Paris New burger de York. Paris, j'en ai mangé à 15 endroits différents. T'as mangé au Paris New York, ça fait plaisir. Insupportable. Non, en vrai, t'as été au Paris New York ou pas? Putain, j'ai de la bave là, j'ai de la salive. Aïe aïe aïe. Non, en vrai, j'ai pas mangé de la journée, Paris moi. New York, peut-être, je sais plus, je retiens pas les noms vu Eh, que. franchement, le Paris New York, Pour c'est. moi, c'est le meilleur burger de Paris, de toute façon, de base. Le fait que quelques cartes héros restent ne va pas produire un déséquilibre? Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. China? Est-ce que je fais pas Luna d'abord et je backstab? Bah, Luna pour le prochain tour, quand t'auras plein de mana. Ok, vas-y. Oh oui, let's go! Fräulein! Les gars, quand vous jouez un DK, vous savez que vous n'êtes plus gelé? Yes! Mais oui, parce que ça change le héros. Tu changes le héros, mais tu perds pas ton arme. La meilleure chocolatine de Paris, elle est à Toulouse. C'est quoi chocolatine? Le silence Comment était. trigger un Le chat en une silence était seconde? trop long, j'ai pas réussi à retenir mon sourire. Ah mon dieu. Mon dieu, mon dieu. J'ai faim à cause de vous. Je vous avoue que je commence à avoir la dalle, moi, j'ai pas mangé de la journée. Je me suis levé à 6h30 ce matin pour prendre le train. Les meilleures toilettes publiques de Paris? Oh bah c'est clairement ceux de. Du Starbucks? Bah non, non, les meilleures toilettes publiques de Paris, c'est ceux là où tu sais on mange le meilleur burger de Paris. Ah, Paris, New York. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ça pas C'est là mal où il y ça. a les meilleures serviettes de Paris aussi. Il y a tout. Hein. Non mais en vrai, le Paris New York c'est le meilleur burger de Paris. Le meilleur sex shop de Paris? Je suis jamais allé dans un sex shop à Paris. Moi je suis jamais allé dans un sex shop tout Tout court. court? Ah ouais? Ouais. Ah bah faut que je t'emmène dans un sex shop, bon. Il y a des trucs très très drôles. Il y a des trucs beaucoup trop drôles. Comme quoi? Oh, on va peut-être pas en parler en live. Bien sûr, on veut savoir. Mais Non, non, non. non, ping pas. Putain, il est trop malin. Ping là. Putain, et franchement, il joue trop bien. Pingou. Il joue beaucoup trop bien. Oui, après, t'es quand même bien. Donc, ouais, Luna. Et puis après, miracle. Je le fais sur quoi ça? Je le fais sur ça? Est-ce qu'on ferait pas backstab d'abord? Sur la 4-4? Mais non, j'ai envie de piocher. Et après, je verrai. Non mais tu fais d'abord backstab et comme ça tu Mais tues la la 4-4, 4-4. je vais la taper comme ça de toute façon. Ah tu veux? Ok. Il va falloir parier, alors regarde, je peux le faire là-dedans, mais. Oui. Mais je pense se mettre juste comme ça. Contemplez les outils de la création. Contemplez les outils de la création. Il se passe des trucs. Ça c'est nul Oh! par contre. Il se passe des trucs, les gars. Il se passe des trucs. Ah attends, il y a plein de gens qui demandent à monter le son. Je vais essayer de voir ce que je peux faire sur Vas-y, la vas-y. Ou console. alors on peut parler plus fort, non? On peut aussi parler plus fort, ouais. Non, mais on va monter là aussi sur la console. Qu'est-ce qu'on fait? Quel cauchemar? Qu'est-ce qu'on fait? Cet affreux cauchemar est terminé. Oh! Oh! Test, test. Allô? Microphone fanatique Allô? de Romcom Tifosi Suzuki. Allô, allô? Allô, allô? Allô? Bonsoir? Oui, c'est moi. Bonsoir. On fait ça? Je suis. C'est fort là? Là c'est trop fort? Est-ce que c'est trop fort? Peut-être que tu rebaisses un peu. Moi j'entends le retour méga fort, je sais pas Ah pour ouais? toi, mais moi ça me dérange pas. Hein. Là Au c'est mieux contraire, pour non, toi? oh là c'est trop bas là. Ok. Remets, remets. Là c'est trop bas? Ouais, remets, 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 remets. Remets, allo, 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 allo. Là c'est bien là comme ça. Ok, comme Ouais, ça. moi j'aime bien comme Ok. ça. Dites-moi ce qui est. Dites-nous si c'est bien ou pas pour vous. Is that good for you? Y'a pas de ping face quand même. Il a rien respecté. Non, Luna! Si jeune! Cyril Aluna! C'est drôle ça. Cyril Aluna. Pardon. Chat noir, fureur, vague. Backstab, non? Ouais, backstab d'abord. Ah, est-ce que tu fais pas un reflet de magma sur ton chat pour être sûr? Ouais, c'est bien ça. Je fais ça. Ensuite, je fais ça. Et ensuite, je ping là. Carrément. Inch'Allah. Inch'Allah Wagba.
Ça, je le jouerai quand je vais pouvoir le ping moi-même. Putain, qu'est-ce que je suis malin. Eh, je pourrais top decker directement à lunettes. Maintenant, le son in-game, il est vachement fort. Ah bah attends. Ah bah là, on va le baisser direct. Ouais. Allô. Allô. Ça, je pense. Est-ce qu'il admet sa défaite? Allô, mamie. Yes. Allô, mamie. Mamie, tu m'entends? Et qu'une. Oui. En une heure déjà, une victoire d'affilée. Ça avance, hein. On est sur du 100% win rate, hein, pour 100% l'instant. 100% win rate, les gars. 1-0, ma gueule. Cette game était oufissime. C'est vrai que cette game était digne des plus grands. Elle sera sur YouTube, d'ailleurs, le TV. Voilà. On salue YouTube. Bon, bonsoir à tous. Mon intégration en prépa, on devait faire le tour de tous les sex shops de Metz et faire tamponner notre cadre de cantine par le gérant. C'est absolument génial. C'est beaucoup trop bien. Mais c'est génial. C'est trop bien comme... Oh non, c'est un rogue contre rogue. Ouais, j'avoue, c'est pas génial. C'est vrai que c'est drôle, ça, pour le coup. Parce que du coup, tous les gérants de sex shop devaient être au courant et devaient voir passer des petits mecs qui arrivent en prépa, tu sais, ils ont 18 piges, ils sont là, bonjour. Tu les as mis super mal. C'était une prépa quoi? Parce que selon si c'est une prépa scientifique ou une prépa littéraire... C'est vrai que c'est des prépas littéraires. C'est pas la même imitation. Bah oui, hippocagne, cagne. Ah ouais, je savais même pas. Ouais. Ok. Lettres classiques, lettres modernes. Ok, ok. Trop cool, trop bien. Prépa TSI. Tu me diras, les prépas, c'est surtout là pour te préparer. Enfin, en fait, t'as en des fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé à ce stade de la phrase que c'était un peu con. Mais non, mais c'est vrai que c'est surtout là pour te préparer aux grandes écoles, aux gros c'est concours ça. En fait. C'est des têtes de concours les gens qui font des prépas. Donc. Enfin, tête de concours, pas prépa mauvaise chose. Hein, mais... TSI, classe préparatoire aux technologies et sciences industrielles. Nice. Horaire hebdomadaire. Alors, est-ce que c'était des branleurs ou pas? Regardez ça au prochain tour, comme ça je vais le faire. Okay. Remarque, ouais, c'est bon, j'ai la place. Oh, c'est branleur. Il faisait rien, il fout rien. C'est vrai que vous en branliez pas une, hein. Ouais. T'sais, ils avaient EPS. Y'a EPS, bah là, avant-dernier. Ah ouais, 2 heures d'EPS par semaine. Pourquoi ils faisaient EPS? Pourquoi vous faites du sport? Pourquoi vous faites du sport? Vous êtes con. Pourquoi vous faites vous avez envie du vieux quoi. Putain, je me suis tapé 2 ans de prépa littéraire et personne sait ce que c'est. Si, t'inquiète pas. C'est juste que c'est peut-être pas ce qui est le plus populaire dans le monde du jeu vidéo, mais moi, la prépa littéraire, Enfin, c'est quelque chose qui me parle. Après, mode du jeu vidéo, moi je connais pas juste pas parce que j'ai connu que des facs, des prépas scientifiques. Quoi. J'avais tous mes potes qui étaient dans des prépas scientifiques. Et... Ouais, mais j'ai l'impression que globalement c'est plus S dans le milieu du jeu vidéo. Enfin, quoi que. Ouais, souvent, souvent. Avec un petit poison. Ouais, ce que je me dis, au prochain tour j'aurai lui. Ouais, et puis basta. Hein. Comme ça, juste je meurs pas trop vite quoi, parce que là il veut m'en la nuit hein, pour l'instant. Faut ajouter 3 heures de colle par semaine en plus, c'est vrai. Ça, ça. Est-ce que vous avez déjà essayé en deck fun le paladin qui a le fossoyeur qui revient chaque fois qu'il meurt avec taunt? Ouais. Et moi les colles j'en avais même à la fac. Hein. Du sport? Non non les colles tu sais. Ah des heures de colle? Non non c'est tu sais genre tu dois c'est un oral en fait. Que tu ah fais, oui, d'accord. Et c'est chaque semaine. Et moi j'en avais à Pierre et Marie Curie, on en faisait toutes les semaines. C'était infâme, horrible, horrible comme truc. Le pire concept, hein, celui qui a inventé ça, c'est un gros bâtard. Voilà, sachez-le. Voilà, c'est dit, hein, les choses sont dites. Et redites. On fait quoi? On fait juste lui, au prochain tour, on fait ça et Vilpine, non? J'aurais fait éventail renard. Oh, ou quoi, je trouve que. Maître renard, par l'odeur à l'échelle. J'aimais bien, effectivement. Mais le problème, c'est que je pouvais pas taper avec mon arme, quoi. Après, tu me diras là non plus. Oui, voilà, Benichoufa, plutôt. Donnez-moi une quête. Niveau littéraire, en jeu vidéo, il y a bien David Cage, mais bon, apparemment, il mettait des photos de ses employés à poil sur l'intranet de sa boîte, même si je crois pas que ça ait de lien avec le côté littéraire. Non, pas vraiment. So what the fuck. Oh, est-ce que, tiens, du coup, tu parles de David Cage, ça me fait penser à Benzaï, qui est un streamer qui n'aime pas du tout David Cage, et les jeux de David Cage. Il a sorti un vlog, là, des AVN avec Manu. Tu vois qui c'est Benzaï ou pas? Il m'agresse, ouais, bien sûr. Il m'agresse beaucoup, mais franchement, j'arrive bien à me stabiliser. Tu vois qui c'est Manuel Ferrat? Je connais bien Manuel Ferrat, j'adore. Ils sont très potes tous les deux.
Et tu vois ce que c'est les AVN? Non, pas du tout. C'est les Oscars en gros pour le porno. C'est les cérémonies de récompense des. Putain, moi, tu savais qu'on m'appelait le baobab du désert à l'époque? Non, pas du tout. Ah ouais, putain. Pas du tout. C'est parce que t'as besoin de beaucoup d'eau? C'est ça, exactement. et du coup, là, ça fait 2 ans, l'an passé et cette année, où Manu l'a invité à aller aux AVN avec lui. Mmh. Et donc aller assister à la cérémonie de récompense des stars du porno. D'ailleurs, Manuel Ferrat a eu le titre de Performer of the Year. Et il a fait un vlog qui est sorti hier, qui est très, très 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 drôle. Solide. Le mec, il a été au parc d'attractions avec Abella Danger. Ouais. C'était pas Angela White? Non, c'était Abella Danger. Enfin bref, bon, peut-être pas. Bon, franchement, je me suis bien stabilisé vu comment il m'a agressé. Il m'a beaucoup agressé, j'ai réussi à tenir un peu, donc je suis un peu content. Mais c'est vrai que le fait que ce soit un miroir de voleur, bah, ça, ma dague elle est pas infinie quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un sacré souci quoi. Après, c'est le problème de ceux qui se gavent. Le problème, c'est le banquier. Nous ! Putain, mais il disparaît, on a mis 2 dans le deck, hein, c'est ça. Ouais, poison mortel. C'est pas un misplay, il reste une arme dans le deck. Hein. Voilà. J'ai juste le sens qu'elle arrive. What the fuck, le moment de stress total. C'est clair. Un poison et viscérate. Et au prochain tour, tu fais le deuxième poison. Mais en fait, je me dis autant faire les 2 poisons maintenant pour celui-là maximum, non? Au prochain tour, je cale avec un sprint ou quoi? En fait, t'as envie de faire les viscérations pour la mana. Ouais. Mais en vrai, c'est plus rentable de ce heal. Après, c'est vrai que le tuer tout de suite, c'est peut-être plus intéressant. Si je tape là, je suis à 15 HP, c'est ça? Et lui, il a 5, ouais, non, mais lui, 8, il devient plus 9, gérable après 10. S'il passe à 5-5. Ça devient vraiment chiant de le gérer. Bah si, avec ça, je le gère dans tous les cas. Ouais, mais tu prends en plus. Ouais, mais là, sinon, j'aime lui, bien il me tape ton argument 2 fois. De soigner plus. Ouais, mais lui, il me tape 2 fois, du coup, il me tape et ensuite, je tape dedans. Après, tu me diras, sur sprint, je peux facilement choper un assommé ou un truc, mais j'ai pas de prep. Non, j'aime bien le gérer tout de suite, en vrai, t'as raison, c'est plus safe. Je suis à 15 après tout et franchement, franchement ça tient. 15-47. Franchement ça tient. Lui, ouais. Le truc c'est que ça me healait plus maintenant, mais à voir, je sais pas. À voir. Faut juste pas qu'il top deck un truc de ouf en fait là. Là il a 0 carte dans la main, il pourrait très bien top deck un Flametown ou un truc bien pourrave. Tout comme il pourrait top deck élément instable de Mira et on passe un sale quart d'heure quoi. J'aurais géré ce fumier de Flametown avant. Saloperie de Flametown. Ok. Donc là c'est là où ça fait plaisir. Bah c'est parfait, du coup on va pouvoir faire double poison après. Ouais. Et la 5-5 ne peut pas passer 6-6. Allez. Là t'as 0-0-0 moyen de... Est-ce qu'il y a une carte qui pourrait te faire donner des stacks sur ton arme? À part Green Skin. Si tu fais espionnage académique. J'ai déjà fait espionnage. Ouais, ou hallucination, et que dans l'hallucination tu récupères. Est-ce qu'il y a une carte voleur qui donne des cartes d'autres classes? Je crois pas. Ok, c'est quoi ici? C'est double poison dans tous les cas. Ouais. On commence par sprint du coup. Quoi qu'il arrive. Ouais. Ah, c'est bien. Ça c'est pas trop mal, ça c'est pas trop mal. Et ça c'est pas trop mal. Bah est-ce que c'est pas dispa du coup? Je pense hein. Double mais poison dispa hein. Et je tape face? Ou alors je tape pas? Ça dépend si on a peur d'un brise-arme ou pas. Je pense pas qu'on ait peur d'un brise-arme. Du coup on tape pas. On a une arme à 8. Mais après on a plus de heal hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. T'as la deuxième dispa. Juste après la dispa, ça fait plaisir ça. Ouais. La légendaire avec écho. Ah, il y a la légendaire avec écho effectivement qui te donne une créature légendaire aléatoire qui peut être d'une autre classe. Mais bon, donc c'est possible. Assez cher. C'est possible, mais c'est peu probable et c'est assez cher en plus. Oui, il faut pas spécialement compter dessus quoi. J'ai pas particulièrement envie de remonter lui, mais tu me dirais il était fausse 1. Hein. C'est pas comme si t'avais bien le choix de toute façon pour l'instant. Bah si, je peux taper dedans avant, tu vois ce que je veux dire, mais... Ah, à moins que... Non, c'est dispa double coquinou, non? Ouais, je pense. Après, sinon, je peux faire si, quoi? Si, c'est bien. Parce que le truc, je suis à... Combien? Moi, je suis à 10.
Leroy Evis, c'est létal. Mais ils avaient déjà létal sur Leroy Evis le tour d'avant. Donc, ouais, mais il a beaucoup pioché. Alors, j'ai une question à te poser, Loello, toi qui as beaucoup joué le deck. Si tu fais un déluge de lames là sur tout le board, est-ce que le vol de vie, je pense que oui, mais il s'applique, on est d'accord, à toutes les créatures tuées. Ça le faisait pas avec Kingsbane, donc je pense pas. Ah, ça le faisait pas avec Kingsbane. Aïe. Oh, solide pour le coup ça. Non, avec Kingsbane ça marchait pas. Donc je saurais pas dire, mais je dirais plus que non. Mais déluge de lames. Mais je pense pas, en vrai je pense pas. Je crois pas. Kingsbane c'est sûr que non, donc je vois pas pourquoi ça marcherait différemment que Kingsbane, y'a pas de raison, a priori. Well. Est-ce que je tape face avec ma dague comme ça, on le bourre comme Jaja. Et après j'équipe ça. Et franchement Psartek hein. Franchement, on fait Psartek, hein. On fait ouais. Ouais. C'est ça là-dedans. Ouais. Ça là-dedans. Ouais. Tu vas face. Et on envoie ça dans le deck parce ouais. Que comme ça on peut buffer la lame d'assassin. On fait ça. Ouais, tu vas face et tu équipes la lame. BOM! Dans sa tête. Je remonte à 19. Et je fais ça. Et j'ai ça qui me ramène des trucs. Mm. Franchement, on est bien. Eh, franchement, si on gagne ce matchup, c'est un truc de ouf. Hein. Oui, parce que c'est pas gagné d'avance normalement. Non, car déluge de lame inflige un montant égal à l'attaque de l'arme. C'est le sort qui fait les dégâts et non l'arme. Ok. Ah ouais. T'es très 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 intelligent. Tess va plier la game, ça va être foufou. Tu as raison mon ami. C'est une bonne 6-6 pour 8. C'est ça. Qui va s'installer sur le board et qui va pas bouger sans boule. Et ça, ça fait toujours plaisir. Ok. Nous on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut commencer par sprint, sinon double éventail c'est peut-être plus intelligent. Non, peut-être un seul éventail, on verra. Oh le bâtard. Not cool my friend. Bah éventail et double comme ça, on verra. De toute façon, ouais. C'est un peu chaud pour lui de me tuer, mais ça me fait quand même un peu peur. Peut-être un vanish pourrait un me vanish, faire plaisir. Cool. Prep sprint. Prep sprint ou prep éventail. Prep sprint. Prep sprint. Je pense. Alors tu pourrais faire backstab. Double éventail, toxicologue en une fois. J'aime bien. Ah, dommage. C'est pas mieux de... Parce que je pense que tu le mets le toxicologue quand même parce que t'en as mis plein dans ton deck. Avec la carte Shaman qui donne vol de vie à ton prochain sort, le déluge de lame te heal. C'est vrai. Salut Merigan. Ah le Shaman, qu'est-ce qu'il va devenir le Shaman? Moi pour moi ça va être fort. Il stat un petit peu hein, depuis un moment, depuis Carniflore là, il sait pas trop... Il y a Agatha, Agatha elle est toujours là. Ouais. Ouais mais c'est pas un archétype de deck Agatha, c'est une bonne carte de late game. Ça, c'est comme si tu disais Rexxar c'est pas un archétype de deck. Bah oui. C'est un archétype de deck. Huntmead, non, Huntmead est un archétype de deck. Hunter Death Rattle. Attends, je ouais, tire mais... un peu sur mon micro là. Oui bah ça me passe, je me mets en roulé mais... Oh. Dis donc. Attends. Qu'est-ce que je disais? Attends, on va chercher Viscération, non c'est mieux. Ah bah si tu la trouves, oui c'est mieux. Attends, ça c'est létal. Ça c'est létal, ça. Deux off létal. Non c'est létal. Ah tu peux la jouer deux fois donc bah oui c'est bon c'est létal. Oui, mais bad. Perfetto. Yes. Easy. 2-0. Et toi qui étais mauvaise langue avec le deck. 2-0. Incroyable, on a high roll deux fois de suite. Mais on n'a pas high roll, on a mieux joué que nos adversaires. Non, en vrai, autant la game d'avant avec le DK on a un peu high roll, autant cette game là je pense qu'on l'a quand même bien piloté, non? Merci pour l'abonnement. Je trouve que c'était bien. Pour que vive la France, vive Laura. Merci à toi In7, big up à toi. Merci à tous ceux qui sablent les poteaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Et il y a de gros projets qui arrivent dans pas longtemps sur cette même chaîne. LNS7. Oh Draz. El grande el magnifico Draz. Le champion de France en titre, messieurs dames. Est-ce qu'on garderait pas tout?
Et je t'avoue que ça m'a pas l'air dégueulasse. Maintenant, est-ce Peut-être que pas de t'as pas poison? envie d'avoir un petit peu de pioche? Peut-être Ouais. le poison, tu l'enlèves. Non, la lame, tu la gardes, non? En fait, c'est trop relou quand t'as pas la lame et que tu commences à piocher les cartes de Ouais. druide et que tu... Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est la main que tu veux. Après, évidemment, à la place de la lame, tu veux plutôt trouve qui brille, mais tu peux pas être sûr. Là, les deux prochains tours, on top deck prep et prep. Ça serait quand même pas mal, effectivement. Non, on top deck prep et le fléau ultime. Ah oui, T'es encore mieux, oui, pas pardon. si bon que ça Pardon, que... Non, pardon, tu pardon. déçois My bad, beaucoup. my bad. Tu top deck prep into fléau ultime. Attends, j'ai pas dit bonjour. Oh! Tout le plaisir est pour moi. Salutations. On le fait pas. On le fait ou on le Non, fait pas? on le fait pas. Attends. Ça a un sens de le faire maintenant? Si on le fait maintenant, au prochain tour, on fait dague. Donc en fait. On fait dague fléau ultime au prochain tour. Bah si on top deck fléau ultime, oui, ça a du sens de le faire, oui. Vas-y, moi je pense que tu le fais. Moi je pense que tu le fais, moi je pense que Tu tu le fais. crois? Bah, Dag Fléau Ultime, c'est un bon tour 3, donc enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de chipoter quoi. Garde-le pour le sprint. Je pense que c'était plus opti, mais C'est pas grave, on va voir l'autre de toute façon. Et en plus, il y a les nourriches et tout qui font piocher dans son deck. c'est Lui, ça. le druide, il a beaucoup de pioches en fait. Contre un autre deck peut-être, mais lui, le druide. Étant donné qu'il y a Fléau Ultime qui arrive, c'est vrai que bon, ça peut s'envisager. C'est plutôt puissant ça comme temps. Ouais, c'est plutôt très puissant. Et c'est pas M'Sartek hein. Bah Dagface hein. Franchement c'est moins bien sans fléau le play qu'on a fait mais faut quand même Mon dieu, terrible. Non c'est tranquille tranquille t'inquiète. Là tu fais le deuxième espionnage au prochain tour et Ouais. ensuite tu fais Dag fléau. Enfin sabre spectral fléau. T'inquiète, là tu top deck parce qu'en fait, le problème, tu vois, si tu top deck et fléau là, c'est que les cartes de druide à 1 mana, elles buffent pas la dague. Tandis que là, tu top deck d'abord les cartes qui buffent la dague. Ça s'appelle bien jouer, Ken. Et au prochain tour, quand tu vas faire sabre, il va te rester 1 mana flottant, tu fais fléau et t'auras déjà les cartes qui buffent la dague, donc tu n'auras absolument rien à craindre. Incroyable! Incroyable du cul! Oh! Fais-le! Oh! Ce suspense, putain! Allez! Allez! Donne-nous nos cartes! Fais des trucs! Ok. Oh! Ok. Ah, c'est la merde. Ah non, on a connu mieux. Bah, je passe, En hein. vrai, lui, il va être complètement incroyable lui, plus tard, lui. Lui Ouais. et son Lui, copain. là. Lui, Lui, il va être ouf. lui va être Du coup, complètement je débile. passe, là. Ouais, là, tu passes, là, tu passes. Tranquille, tranquille. Il sait pas, il sait pas. Il sait pas de raser, il sait pas à quoi s'attendre là pour l'instant. Y a un lag de ouf, what the fuck? Ouais, le jeu, il lag un peu, là. Ouais, le jeu, il est un peu en PLS en ce moment. Putain, mais il est déjà. Lui, mais lui il est bon aussi, hein. Il est C'est vrai bon que là, aussi en prochain face. tour, il a 20 mana. Enfin, Hein. il a 16 mana, en soi. Solide sur ses appuis, le mec. Tada. C'est ça la Tada. musique de Dents de la Mer, ça, non? Tin, 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 tin. Oui, Un c'est ça. mélange qui ne manque pas de piquant. Dans ce film, je pense qu'il a eu vraiment un gros impact sur, Tout le monde. sur la vision qu'on a enfin, des requins. C'est le Ouais. commun des mortels, pas les gens qui sont vraiment dans le domaine, quoi. Donc attends, prochain tour, on fait Seigneur fongique, toxicologue, brachiosaur ça coûte 4, sport évolutif ça coûte 5, et du coup le truc qu'on aura top deck en plus. Sinon, on fait backstop sprint, ouais. Il a 10 cartes là, je crois, non? Il a 10 cartes, donc ça veut dire Là qu'il a il y a top 10 deck sa cartes, ouais. dague. Du coup on top deck Aklim. Ah, non. Ah, il a 10 mana. Il peut pas faire fléau, mais Non. bon. C'est un peu risqué. À moins qu'il joue Togwaggle et qu'il ait toute sa combo en main et que du coup il puisse tout défausser. Ouais. Mais il faut faire tout quand. Fantôque, Hein. Colère 1, colère 1. Il nous prépare un mauvais tour. Je pense que. Ah, DK, ok. Je pensais qu'il allait faire la. C'est la fleuriste. Ouais, Boris Michon. Ça, c'est cheaté la fleuriste pour le coup. Il pourrait se passer des trucs avec ça. Attends, fais voir. On y va hein, quand même, je Tu y pense. vas où? Sur le Seigneur. Où t'attends? Ah, tu veux tout faire là? Toi, tu ferais juste backstab sprint et au prochain tour on y va? Je sais pas, je me demande si backstab sprint c'est quand même pas assez stylé. Backstab sprint, on a fait deux espionnages hein, donc c'est vrai que. C'est ça, hein. Attends, par contre, backstab d'abord. Pourquoi? C'est pareil? Oui, c'est vrai. Au contraire, si j'ai.
Une innerve ou quoi, peut-être tu vois. Non, une innerve, elle coûtera 1. Ah oui, effectivement. Bien vu, quel champion. Tu trades. Je tape, ouais. Ouais. Donc là, au moins, ça, tu vois, genre, on a plus de chance. Parce que là, j'aurais pu top decker des trucs de ouf. En vrai, bon, là, je top decker de la merde, mais ça pouvait top decker des trucs de ouf. Et là, au prochain tour, on pourra vraiment plus en profiter encore. Ouais. Ça coûte combien, lui, d'habitude? 5 5. Ah, c'est mieux quand ça coûte 1. Ah oui, clairement, ça devient beaucoup plus intéressant. Oh boy. Oh dear, we're in trouble. Oh, bah c'est bien, ça active. Ouais. Plus un, ouais. Quel gros jeu. Toxique. Toxicologue, je pense. Un mélange qui ne manque pas de piquant. Un mélange qui ne manque pas de piquant. Plus de plus 2. Ouais. Et tu fais météore à 2 sur tout le monde, adverse. Et adaptation. Bouclier divin. Et météore à 2. Et tu trades la 3-6. Incroyable! Ce tour, let's go! That's a good turn, my bro. Bon, on a peur de quoi? On a peur de... Play envahissante, la carte cheatée, et c'est à peu près tout en vrai. Enfin, on a peur, ça fait chier quoi. Moi j'ai peur qu'on tour correct. J'ai peur qu'on top deck pas le deuxième rugissement. Bah. Ce serait vraiment triste. Fleu ultime avant le rugissement, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Mais non, mais il a tout. Enfoiré. Il a tout. Incroyable. Rugissement, Tess et bim. Il est cool en plus Draz, je parlais un petit peu avec lui à l'arme. Très sympa, j'aime beaucoup Draz. Brave homme. Uni des... le vanish le plus rentable de l'histoire des vanish. Si jamais on le fait. Non mais on va pas le faire. Par contre... En vrai... On tape avec tout, et on fait même pas l'enregistrement, non? Non, on fait pas l'enregistrement, pas le temps. Pourquoi il a mis l'attaque alors que... Genre on a des boucliers divins. Je pense qu'il va essayer de nous buter à la place. Mais comment il nous bute là? Je sais pas. Petit Maligos bien placé, je sais pas. Faut faire gaffe parce que nos 5-3 elles donnent plus 2 à tout notre board mais aussi au sien. Oh, ouais bien sûr. Mm. Mais bon là il a pas de board lui qui peut attaquer. Et Uni des ready après cette game. Il a tout. Il a tout. Non, pas double balayage face, voyons, qu'est-ce que tu fais? Attends, il a un létal? Non. C'est peu probable quand même. C'est juste un clean. C'est peu probable, après là il buff aussi la 5-1 et finalement moi j'ai un test Griezmann qui est vraiment pas mal. Griezmann? Un bon test Griezmann. Oh, tu joues ça d'abord? Oh bah oui. J'avoue ne pas savoir. Bah si c'est trop fort. Et tu as face d'abord ou pas? Qu'est-ce que je peux... Non, je réfléchis à ce que ça pourrait changer. Ça changerait Inch'Allah. Là on chope des trucs de ouf. Adaptation directement avec le bouclier divin. Inciblable. Sur ce... Ah nous. Et c'est tout. Bah franchement ça reste quand même pas mal. Ça reste ok. Surtout la double 7-7 là, ouais. Franchement elle régale. Hein. La toxicité, on aurait préféré autre chose mais... Ouais, la toxicité c'est pas fou, ouais. Effectivement. Ça rajoute... Attends, mais lui... une jolie petite fiole verte. Lui il a rien du coup. Non. Non, il est juste réinvoqué. C'est son cri de guerre qu'il choisit, c'est pas la carte. Ouais. Contrairement à la chauve-souris cheatée là. Le déflagropter. C'est ça. Alors est-ce qu'on a l'étal là? Bon, on devrait l'avoir là. Hein. La dague elle tape 6, ça on fait a 8. 7 et 7, 14. Non, 19. Ça fait 9 et 9, 18. Ah, tu comptes comme ça toi? Ouais. Le BM pas. Mais je sais pas si on a l'étal ou pas, j'ai la flemme de compter. Bah vas-y, tente. Non mais si, je crois que c'est... Ah non. Si, on a l'étal, pourquoi?
Ah si, pardon, j'ai oublié le plus 2 d'attaque du rugissement. Là, il va penser qu'on le BM, le pauvre. Non, on BM pas, Draz, c'est le jeu qui rame. Il rame du cul. Yes. Ça passe. Impressionnant ou pas? C'est petite ouais. 3 games, 3 victoires. Est-ce que j'ai dans ma frénésie Draz? DSL, le jeu a lagué. Désolé, le... sorry, le jeu. Ok, bon bah, je sais pas si vous avez kiffé les gars, mais moi ces games-là, je les ai vraiment appréciés, hein. C'était vraiment pas franchement, mal. Franchement, là, les 3 games, elles étaient classe, ouais. C'était quelle, laquelle t'as préférée, franchement? La dernière. La dernière, là? La dernière, avec en plus, le top deck des Kamage, c'est un mec qu'on adore, donc... Le top deck des Kamage, il était pas mal aussi. Le top deck des Kamage, c'était pile au bon moment. Moi, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'amuser, tu vois, parce que jusque-là, bon, c'était marrant, mais tu sais, il y avait pas de truc vraiment impressionnant, tu vois.